Les marchés américains patinaient lors des premiers échanges mardi, des indices quasi à l'arrêt malgré de bonnes statistiques immobilières, hein, avec les mises en chantier qui ont gonflé de plus de 20% en mai dernier, ou encore les permis de construire en hausse également, eux, de plus de 10%. Sur le marché du Forex maintenant, le dollar s'inversait à la hausse, l'euro dollar reculait de 1,56% à 1,1139, la livre britannique dollar cédait-elle 1% à 1,5498, le dollar yen, lui, prenait du terrain, plus 0,38% à 120,44. Aujourd'hui, focus sur la paire dollar américain, dollar canadien. Elle rebondit au-dessus de son support à 1,2110 et devrait enregistrer de nouvelles avancées. D'ailleurs, au-dessus de ce support à 1,2110, des cibles hautes sont attendues à 1,2205 puis 1,2260. Les métaux précieux maintenant se voyaient sous pression. L'or en focus passait sous sa ligne de tendance ascendante tout en étant plafonné par une ligne de tendance descendante. Du coup, tant que 1244 fait office de résistance, prévoyez de nouveaux reculs sous la barre des 1200. L'argent enfin cédait du terrain, 1,76% dans le rouge pour une once 3 à 17,42 $. Pour Trading Central depuis le Stock Exchange de New York, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée, à très bientôt.